Le projet qu'on nous a proposé, c'était d'innover dans le domaine du verre œnologique. Vraiment, l'idée, c'était de casser les codes et proposer quelque chose, une forme vraiment nouvelle qui fonctionne parce que les qualités œnologiques du verre doivent être là. Ce qui nous a complètement libérés dans le dessin de ce verre, c'est le fait d'accepter cette cassure au milieu qui nous a permis de gérer indépendamment la partie basse pour la jauge naturelle du vin qui est à 12,5 centilitres et la chambre aromatique qui est très généreuse. Je trouve que ce verre va bien dans mon établissement parce qu'il représente bien le côté généreux de la régalade. Il y a un côté gourmand, il y a un côté sensuel avec ses formes arrondies. Un autre verre de la gamme Macaron, qui est le verre de 30 cl, qui est la flûte à champagne. Et c'est un vrai joli travail. On est en plein cœur de Châteauneuf-du-Pape, au château de Beaucastel, où l'on plante 13 cépages différents. Pour moi, effectivement, ce qui est intéressant dans ce verre, sur le départ, sur le bas du verre, le vin peut s'exprimer, peut sortir ses arômes et à la fin, on revient le recentrer pour qu'il soit précis. On le reconcentre. Et là, je trouve que sur un jeune vin, ça va très très bien.